Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du rack extension pour Reason BIT Back in Time, le dernier synthétiseur qu'il a rajouté au pack Explorer 6. Donc, en ce qui concerne Reason, on peut trouver ce synthétiseur au format rack extension directement sur le shop de Reason. Il va être au prix de 99€, donc c'est un synthétiseur analogique virtuel à 16 voix. Il est vraiment très puissant, il y a pas mal de choses que l'on peut faire. On a même une entrée audio à l'arrière du rack pour pouvoir utiliser les effets de BIT sur d'autres sources audio. Et comme sur tous les racks extensions, on va avoir les entrées et sorties CV pour pouvoir recréer plus de modulations à partir d'autres modules. Bien sûr, pour les gens qui sont sur d'autres DAW, on peut trouver BIT directement au prix de 99€ sur le shop d'Europe Pattern, ou alors on peut l'avoir à 85€ directement sur le site de Boutique Plugin pour ceux qui ont un compte. Il va fonctionner au format VST 32 et 64 bits. Il va être compatible NKS et avec toutes les DAW du marché. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment un excellent VST. J'avais déjà présenté la version VST justement. Et là, on va voir dans Reason comment se présente le rack extension. Donc là, on se retrouve dans Reason où j'ai créé une petite boucle à partir des produits d'Europe Pattern. J'ai utilisé un Punch BD pour créer un kick. Ensuite, je vais avoir ma snare, des hi-hats. J'ai utilisé RP Disto pour pouvoir rajouter de la distorsion sur le kit de batterie. Un premier BIT pour jouer des petits leads. Un second BIT pour avoir une variante au niveau de la ligne mélodique. Le tout passe dans l'effet XY transfère le nouveau multi-effet d'Europe Pattern qui est relativement puissant avec de grosses possibilités de modulation. Ensuite, j'ai ma 808 qui passe à l'intérieur du RP Disto. La 808 est couplée avec un son de synthétiseur analogique venu du VST, cette fois BIT, puisque je vais vous montrer les principales différences qu'on va avoir entre le rack extension et le VST. Et j'ai un petit piano électrique qui va venir directement du Blue 2, toujours de chez Europe Pattern. Donc là, j'ai une instance toute neuve de BIT, mais déjà, on va s'écouter la petite boucle. C'est vraiment un truc tout simple, hein. Donc là, ce sont les deux mélodies faites avec les deux BIT. Donc il y en a une qui va jouer ça. Et la seconde. Donc voilà. Maintenant, regardons un peu l'interface du rack extension BIT. Je vais vérifier que je suis bien sur la bonne piste. Voilà. Donc il a quand même de grosses similarités par rapport au VST. La seule chose réelle qui va changer, c'est tout simplement la visualisation de la forme d'onde. Puisque là, si je me mets en lecture au niveau
de la basse. Ici, comme vous pouvez voir, on voit ce qui se passe au niveau des sorties des oscillateurs et on a l'indication ici de la forme d'onde des deux oscillateurs. Alors que sur le rack extension, on n'a pas cette partie puisque Rob Papen a préféré mettre en avant les possibilités de réglage donc par rapport aux LFO et les assignations. Donc maintenant, si on prend le synthétiseur, on va avoir un premier oscillateur directement ici avec la sélection de la waveform, un deuxième oscillateur ici avec pareil la sélection de la waveform. On a la possibilité de faire de la FM, PM. On a un ring modulator. On a la possibilité de rajouter un sub-oscillateur pouvoir faire des basses plus grosses. Et ici, comme je vous le disais, au lieu d'avoir les formes d'ondes, on va avoir directement l'assignation des LFO de chacun des oscillateurs pour pouvoir jouer sur différents paramètres. Le sound design est quand même relativement simple. Donc je vais augmenter un peu le son. Donc là, j'ai une sinusoïde sur l'oscillateur 1. Si je me mets en plus aigu, voilà, plus grave, non, là c'est vraiment très grave, oh. Ensuite ici on va avoir le LFO de l'oscillateur 1 et on va pouvoir l'affecter à différents paramètres, le volume, le tune et la sim et feed. Donc, par exemple, là, le LFO, je vais le mettre en 1/4. Voilà. Et pour affecter un paramètre, par exemple, si je le mets sur le tune, j'ai juste ici à ouvrir la mount. Alors après, on peut superposer diverses affectations. Donc là, j'ai fait le tune. Je vais par exemple jouer grâce à mon LFO directement sur le volume. Là, si je reviens sur Sim, hop. Et bien sûr, je peux revenir à 0, ou sinon vous faites directement contrôle et clic, ça va vous remettre à 0 la mount, et là vous retrouvez la forme d'onde d'origine. Ça, vous allez l'avoir pour chacun des deux LFO. Donc ensuite, comme je le disais, si vous mettez en marche l'oscillateur numéro 2, on peut, hop, en affectant une forme d'onde, rajouter du sub. Juste à côté, on va avoir le mode de jeu. En cliquant sur la fenêtre ici, on peut choisir si on va être en mono, mono high, mono low, legato, legato high, legato low, et enfin arpégiateur qui se trouve juste en bas. On va pouvoir jouer sur le portamento lorsqu'on se met en mono. Ici, on va pouvoir déterminer si on veut un constant rate, etc. On va avoir un unisson, on va pouvoir déterminer le nombre d'octaves qu'on veut rajouter à l'unisson, voire même directement des accords. Donc on ouvre le détune, on ouvre le spread. Thank you.
Après, ici, on va avoir un pitch LFO sur lequel on va pouvoir assigner directement, par exemple, si je le mets sur le filtre. Voilà. On peut le synchroniser au tempo. Ensuite, on a un LFO général qui va nous permettre de choisir directement une forme d'onde, le mode poly, free, mono, et suivant. Donc si on est en libre, on va être en Hertz, et si on synchronise, on va avoir les différentes formes de la grille de quantisation. Donc après, il y a juste ici à ouvrir la commande de LFO pour le filtre 1, commande de LFO pour le filtre 2, et le LFO ici pour la sortie main. Sur l'ampli, on va avoir une distorsion, commande de LFO, commande de vélocité, qu'on peut relier directement au volume, et enfin, la partie attaque, decay, sustain, donc l'ADSR de l'enveloppe générale. On va avoir une enveloppe pour le filtre 1, une enveloppe pour le filtre 2. On peut synchroniser l'enveloppe ou carrément inverser l'enveloppe pour chacun des deux filtres. Ici, on va avoir la matrice de modulation. On va pouvoir choisir une source de modulation, donc que ce soit un LFO, des filtres ou des éléments externes, puisqu'on va avoir les entrées audio ici et les CV 1 à 4 qu'on a lorsqu'on fait tabulation et qu'on retourne le rack. Ici, on va avoir CV 1, CV 2, CV 3, CV 4. Ensuite, on a des commandes CV pour le chorus mix, flanger mix, reverb delay mix. Donc ça, ça va être pour la partie effet ici. On peut muter l'intégralité des effets. Les effets sont d'excellente qualité, donc il y a grave possibilité de les utiliser pour pouvoir faire votre sound design. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tester. Si vous voulez utiliser l'arpégiateur, il va falloir tout simplement, dans le mode ici, aller choisir le mode harp. Et l'arpégiateur va se mettre directement en marche. Des notes, le tune, on peut aussi gérer la vélocité. Bien sûr, on peut choisir le nombre de pas qui vont aller de 1 à 16, la vitesse d'exécution, donc là je suis en x1, si je, par exemple je me mets en 1,5, ça va être plus lent. Je peux l'accélérer. On va pouvoir aussi régler l'effet de la plage d'utilisation du moodwell, donc de 1 jusqu'à 48, et le pitch bend de moins 48 à plus 48. Après, on a la section ici effet. Donc par exemple, en ce qui concerne le chorus, on a juste à l'allumer. Après, pour ce qui est du phaseur,
il va falloir cliquer ici pour avoir les paramètres du phaseur et on va le mettre en marche. Enfin, du flanger, pardon. Et si je veux utiliser le phaseur, il va falloir cliquer ici pour avoir les paramètres du phaseur et la mise en marche. Et ça va être la même chose en ce qui concerne le délai. Donc là, il est déjà présélectionné. On a les paramètres de délai ici. Voilà. Je l'éteins. Et si je veux accéder à la reverb, je clique ici. Et là, j'ai mes paramètres de reverb. Bien sûr, on peut cumuler tous les effets. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laisser jouer son imagination. Donc, je vais le réinitialiser. Je vais aller, par exemple, me mettre... Là, je vais régler l'attaque, l'enveloppe générale du son. Le release, si je le mets à fond, je vais mettre une pichenette, le son va jouer plus longtemps. Je vais régler mon filtre. Alors pareil, en ce qui concerne les filtres, il y a largement de quoi faire. Le Q, ou ce qui va correspondre à la résonance. Si je veux rajouter, par exemple, du délai. Je peux rajouter mon second oscillateur. Cette fois, je vais peut-être prendre une saut. Je vais l'augmenter un peu. Si je rajoute de l'unisson pour étoffer tout ça. Je peux très bien me mettre par exemple en mode monophonique. J'ouvre mon portamento, je vais prendre un constant rate. Au niveau des filtres, je peux mettre soit le filtre en série, c'est-à-dire que le son va sortir des oscillateurs, va rentrer dans le filtre 1 puis le filtre 2, soit je peux le mettre en split, donc en parallèle, c'est-à-dire que le son va passer dans le filtre 1 et le filtre 2, ce qui fait qu'on va avoir un effet différent du son en fonction du réglage du filtre. Bien sûr, faut choisir un filtre. M'empêche de revenir en mode polyphonique. Maintenant, on peut aussi, par la même occasion, aller chercher directement. Je vais prendre. Là, je vais faire Shift.
je prends mon synchronous pour pouvoir dessiner des courbes qui m'intéressent. Je vais peut-être réduire un petit peu. Voilà. Hop. Je retourne mon rack. Donc là, j'étais sur la courbe jaune. Je vais envoyer mon out de la courbe sur le CV input 1. Et dans ma matrice de modulation, je vais prendre le CV input 1 que je vais envoyer, par exemple, alors je sais pas, soit je vais prendre, je pourrais faire varier le détune, ne pas oublier d'ouvrir la mount pour sentir l'effet, et dès que je vais mettre en marche, maintenant, si je choisis par exemple des filtres, ça ne m'empêche de prendre le filtre 1, la fréquence. Je peux affecter aussi le CV1 directement, hop, à la fréquence de mon filtre 2. Voilà. Ce qui fait qu'ici, si je change donc on entend direct les changements. Je vais retirer le LFO. J'avais oublié de retirer la mount. Donc, en fonction de la courbe, ça va me donner un effet différent. Si je retourne mon rack, pareil, rien ne m'empêche de prendre, alors attendez, hop, CD, input, oscillateur, LFO, filter, là, je vais mettre la courbe rose directement sur le CD2, je retourne mon rack, ici, je vais mettre CD2, ma courbe rose, je vais lui dessiner un quart. Voilà. Et puis je vais aller chercher par exemple le pan global oscillateur. Voilà, main pan. Et donc, ça va moduler le panning, donc le droite-gauche du synthétiseur. Et je pense que j'ai oublié d'ouvrir la mount. Voilà. Et là, on entend bien l'effet. Donc, si je me mets en négatif, voilà. L'effet va être encore différent sur le panning. Donc ça, c'est un des avantages des rack extensions de Reason, c'est le fait d'avoir la possibilité de pouvoir câbler les entrées, sorties, CV et de faire de la commande CV avec d'autres modules. C'est vraiment très intéressant.
Ensuite, au niveau banque de son, comme d'habitude, si on regarde à l'intérieur, Rob Papen nous propose énormément de sons de tout type. On a quand même pas mal de presets. Bien sûr, on peut faire des choses relativement cool. Là, vu que j'ai laissé le CV1, si je ne me trompe pas, voilà, c'est toujours câblé. Rien ne m'empêche d'aller chercher mon CV1, de lui affecter un paramètre. Et donc, bien sûr, ça va suivre ici. Si je me mets en carré, en ce qui concerne ma courbe 2, par exemple, je pourrais très bien l'affecter. Donc, je vais rechercher le CV2 et je vais le CV2, pardon, hop. Je vais l'affecter au Q de mon filtre 1. Donc si à ça j'ai envie de l'arpéger en plus. Bref, comme vous pouvez voir, il y a possibilité de faire pas mal de choses. Il y a vraiment toutes sortes de sons. Donc bien sûr, vu que c'est un synthétiseur, avec le BIT, on peut faire tout style de musique. On a des presets de lead trap, de basse, on a vraiment tout ce qu'il faut. Hop, des cordes. On va se faire quelques presets histoire de voir. Lead des années 80, puisqu'on est sur une émulation de synthétiseur analogique. On a de superbes basses. Alors ça, il suffit d'aller dans la section basse ici et on va avoir toutes sortes de basses. Et même de très belles Moog. Basse type SH, synthétiseur Roland. Après, on va
pouvoir passer. Hop, on va avoir des pads, on va avoir pas mal de choses, hein. C'est vraiment très très bien fait, avec énormément de presets en tout genre. Des FX. Des claviers. Piano électrique. On peut vraiment tout refaire. Couteau électrique. Des pads. Vraiment refaire toutes sortes d'ambiances. Donc pour tous les gens qui travaillent sur Reason, je pense que le BIT peut être un réel atout à avoir dans vos synthétiseurs. Ensuite, pour toutes les autres DAW, bah vous avez la version directement en VST qui va fonctionner sur toutes les DAW du marché. Et pour les gens qui ont des claviers Native Instruments, le mode NKS fonctionne aussi. Donc voilà pour cette petite présentation de BIT au format rack extension. Vous pourrez le trouver directement sur le shop de Reason. Pour tous les autres, que vous travaillez sur FL, Studio One, Ableton, toutes les autres DAW du marché, vous allez pouvoir retrouver le BIT au format VST sur Boutique Plugin ou directement sur le site de Rob Papen. Donc lâchez un petit pouce bleu si cette présentation vous a plu. Dites-moi si ce type de synthétiseur vous intéresse directement dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent directement dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur ABC du beatmaking. Salut, salut!